Avez-vous déjà ressenti le pouls de la Terre sous vos pieds? Non pas simplement comme un sol solide, mais comme un être vivant et vibrant. Si vous fermez les yeux et écoutez, vous pouvez presque entendre son battement de cœur, se synchronisant avec le rythme cosmique de l'univers. Maintenant, imaginez la Terre, non pas juste comme une planète, mais comme une entité vivante et respirante au seuil d'une renaissance magnifique. Cette transformation transcende le physique, se manifestant comme une réalité énergétique où la planète se divise en deux royaumes distincts. Une existence supérieure en cinquième dimension et un monde conventionnel en troisième dimension. Alors que la Terre libère ses fardeaux accumulés, elle tisse une nouvelle tapisserie à partir de fils lumineux, signalant une reconfiguration profonde de notre réalité partagée. Au sein de cette phase transformatrice, les lignes temporelles convergent, fusionnant en une matrice complexe et dense de possibilités. Ici, nous nous trouvons au cœur même d'une convergence cosmique où chaque décision, pensée et action porte une importance extraordinaire, influençant de manière dramatique la trajectoire de nos futurs collectifs et individuels. Passant sans heurts de cette convergence, nous rencontrons les réalités divergentes de la troisième dimension et de la cinquième dimension, chacune présentant une expérience d'existence radicalement différente. Le royaume de la troisième dimension, caractérisé par la peur, la séparation et le contrôle, lie ses habitants à un mode d'existence linéaire et dualiste. Ici, les âmes naviguent un voyage de découverte de soi à travers les contrastes marqués de la joie et de la souffrance, de la lumière et de l'ombre, de l'amour et de la peur. Chaque instant servant de leçon pivot dans leur chemin évolutif. En contraste frappant, la réalité en cinquième dimension offre une vision d'unité, d'amour et de conscience élargie. Ce royaume transcende les limites familières du temps et de l'espace, permettant à ses habitants de vivre guidés par le cœur et l'intuition, enveloppés dans une aura de paix et d'harmonie. Dans cet état supérieur d'être, les miracles deviennent monnaie courante, et les concepts de pénurie et de limitation se dissolvent dans l'éther. Alors que nous naviguons entre ces royaumes, le voyage nous invite à abandonner nos anciennes perceptions et à embrasser un nouveau paradigme où des possibilités infinies peuvent être réalisées, transformant chaque aspect de notre existence en quelque chose de véritablement miraculeux. À mesure que la division entre les deux royaumes s'intensifie, nous observons des changements significatifs à la fois en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. À l'intérieur, beaucoup d'entre nous ressentent un tiraillement profond, se sentant simultanément attirés vers une existence à plus haute vibration et pourtant parfois ancrés par les énergies denses et résiduelles du monde en troisième dimension. Cette lutte interne se reflète à l'extérieur à travers des changements transformateurs qui se propagent dans notre environnement, nos relations et nos structures sociétales. Chaque modification dans le tissu de notre vie quotidienne est infusée avec des énergies puissantes de transformation, signalant la métamorphose profonde et continue de notre réalité collective. Ces changements ne sont pas seulement métaphysiques, mais se manifestent également à travers des événements naturels qui agissent comme des mécanismes de purification de la Terre. Les tremblements de terre, les inondations et autres phénomènes similaires sont loin d'être des catastrophes aléatoires. Ce sont des actes de nettoyage délibérés effectués par la planète pour s'aligner sur les fréquences supérieures qui arrivent. Ces bouleversements naturels sont intégraux au processus de la Terre, consistant à se débarrasser de son état ancien et chargé et à renaître dans un état harmonieux et vibrant. Au milieu de ces changements turbulents, l'aurore boréale, ou les lumières du Nord, sert de signal cosmique captivant des changements énergétiques de la Terre. Augmentant en visibilité et en fréquence, ces affichages éthérés sont bien plus que des phénomènes naturels. Ils sont des symphonies visuelles de lumière qui annoncent l'avènement d'une nouvelle ère. Pour ceux qui sont accordés aux fréquences supérieures, ces lumières ne sont pas simplement de beaux spectacles, mais des indicateurs profonds de la transformation de la Terre et de notre reconnexion approfondie avec les royaumes célestes. En témoignant de ces rideaux célestes de lumière qui dansent à travers le ciel, nous sommes rappelés que nous faisons partie d'un vaste cosmos interconnecté, évoluant et montant ensemble vers une nouvelle aube d'existence. Alors que nous passons à des fréquences supérieures,
Beaucoup d'entre nous rencontrent une variété de symptômes physiques et émotionnels qui signifient que nos corps et nos esprits s'ajustent à de nouvelles réalités énergétiques. Un bourdonnement persistant dans les oreilles, des maux de tête inattendus et des bouffées d'énergie soudaines sont des indicateurs courants de cette recalibration. Bien que ces symptômes puissent sembler déconcertants, ils sont en fait transformateurs et temporaires. Chaque occurrence sert à élever notre conscience, nous rapprochant toujours plus de notre véritable essence, alors que nous nous débarrassons des couches de nos anciens soi et nous alignons plus pleinement avec l'état vibratoire de la nouvelle Terre. Émergeant de ces symptômes d'ascension, nous nous trouvons plus en phase avec les réalités de l'existence en cinquième dimension, un état d'être où nous fonctionnons à partir d'une profondeur de l'intuition, de la compassion, de l'unité et de l'amour. Ici, les frontières restrictives du monde en troisième dimension commencent à se dissoudre, faisant place à une vie d'abondance infinie et d'interconnexion. Les actions dans ce royaume ne sont pas motivées par la nécessité ou la survie, mais sont infusées d'amour, chacune contribuant à une conscience collective qui résonne avec la paix et l'unité. Dans cette réalité élevée, notre existence ne consiste plus à naviguer à travers des défis, mais à embrasser une vie harmonieuse, enrichie par la compréhension innée que tout et chacun sont intrinsèquement liés dans cette belle danse de coexistence cosmique. Alors que nous traversons cette ère transformatrice, les pratiques d'ancrage et de pleine conscience deviennent indispensables. Ces techniques nous ancrent, aidant à maintenir l'équilibre au milieu du flux constant de changements énergétiques. En restant ancrés, nous pouvons nous immerger pleinement dans notre réalité en évolution et l'embrasser pleinement. Nous entourer d'influences positives, personnes inspirantes, livres éclairants et environnements sereins, nourrit davantage notre esprit et soutient notre voyage vers la nouvelle Terre. Dans cette ère de transformation, notre interconnexion n'est pas juste un lien, c'est un conduit vital pour l'échange de connaissances universelles et de soutien spirituel. Alors que chacun de nous navigue entre les réalités en 3D et en 5D, les histoires que nous partageons sur nos voyages personnels de croissance et d'éveil jouent un rôle crucial. Ces récits offrent de l'inspiration et des conseils pratiques, aidant les autres à naviguer plus efficacement sur leur propre chemin. En partageant nos expériences, nous illuminons la voie pour les autres, renforçant la compréhension que, bien que nos voyages soient profondément personnels, ils font également partie d'un voyage collectif grandiose vers une existence supérieure. En cette période significative, chacun de nous possède la capacité profonde de façonner notre réalité à travers nos pensées, nos mots et nos actions. En choisissant l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division et la compassion plutôt que le jugement, nous contribuons activement à la création de la Terre en cinquième dimension. Se soutenir mutuellement est crucial dans ce voyage, car notre ascension collective dépend de notre engagement partagé à élever et inspirer les autres. Embrassons alors ce chemin avec des cœurs pleins d'amour et des esprits débordants d'espoir. Bien que le voyage vers la nouvelle Terre présente des défis, il est imprégné d'une beauté profonde. Chaque étape, guidée par la lumière de nos moi supérieurs, nous rapproche d'une réalité où l'unité, la compassion et la paix forment les fondements de l'existence. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes un collectif entrelacé par le destin, co-créant un monde de possibilités infinies. Merci d'être partie prenante de ce voyage mystique. Continuez à chercher la connaissance, à grandir en esprit et à briller de votre lumière. La nouvelle Terre nous attend, promettant un avenir plus lumineux que nous n'aurions jamais pu imaginer. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, chères âmes, restez alignés avec votre moi le plus élevé et continuez à illuminer le chemin pour les autres. Ce voyage n'est que le début et ensemble, nous monterons aux hauteurs de notre véritable potentiel. Le meilleur reste à venir.